Nous allons passer à la lecture du jour. Mais avant d'y aller, je vous invite dans le cantique de 337 boulons, Bassa, et 218 boulons, de Nestof. 337 Bassa et 218 boulons, de Nestof ce mot. Bon, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. L'herbe sèche, la fleur prend le temps, la parole de Dieu demeure éternelle. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur,
au moment où l'évangile des consistoires fait rage dans notre église, l'évangile des paroisses, l'évangile des postes, l'évangile ici des titres. Je parlerai même de l'évangile des nominations. Au moment où les enfants de l'église presbytérienne camerounaise à travers le monde se posent des questions, s'interrogent sur le chemin qu'ils doivent suivre. Au moment où nous réunissons ici pour la première fois, après une quête, pour donner un sens, le Seigneur m'a conduit à ces deux textes pour que nous posions la question à la parole de Dieu sur ce que nous sommes et ce que nous devons faire. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons l'évolution dans l'humanité, nous voyons une chose. On remarque que les animaux en brousse ont commencé à chercher comment s'habiter. Il y en a qui creusent, n'est-ce pas, des trous pour s'habiter. Les renards qui ont des tanières, ainsi de suite. On voit que l'animal a eu le souci de trouver un refuge, un endroit pour se protéger. Eh bien, l'homme aussi, pour se protéger, a commencé à chercher à avoir un abri. Et pour avoir un abri, naturellement, l'homme a dû, n'est-ce pas, passer par l'expérience. Comment manipuler ce qui est autour de lui pour pouvoir se faire lui aussi un abri. Bien-aimé, dans le Seigneur, après l'abri naturel, l'homme est allé plus loin encore pour chercher à avoir un intérieur que dans son abri soit un endroit qui lui soit vraiment un endroit bien où quand il est à l'intérieur, il se sent protégé, il se sent bien. Bien-aimé, dans le Seigneur, je voudrais que nous partagions ces quelques minutes avec le thème suivant, tiré des deux textes. Toi, ne détruis pas le temple de Dieu. Toi, fais quoi? Ne détruis pas le temple de Dieu. Nous venons d'évoquer, ce n'est pas un temple, nous venons d'évoquer ici ce besoin de s'habiter, ce besoin de se cacher, ce besoin de se protéger, ce besoin d'avoir une intimité. Le temple, c'est quoi? Le temple, c'est en même temps un individu, une personne, comme, d'après ce que nous dit le texte, comme également, c'est un lieu. En matière de lieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour l'usage, nous savons que lorsque quelqu'un est dans sa maison, il a besoin, parce que on a besoin, sinon chacun vivrait dans la rue. Mais si nous avons des maisons, la maison est un lieu où on se sent protégé, on peut fermer la porte. Il y en a qui sont même devenus tellement dans la peur que pour dormir, il ferme sa porte, il s'en va, il se couche. Après, il croit qu'il n'a pas fermé sa porte, il se relève encore pour venir s'assurer que c'est bien fermé. C'est quoi? C'est des gestes qui traduisent la peur. On a peur, on a besoin de se sentir protégé. La maison, dans l'usage, c'est un lieu où on garde son intimité. L'affaire de, les gens, on ne prend pas les affaires de sa propre maison pour mettre dans la rue. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'homme a voulu rencontrer Dieu, il a aussi pensé qu'il lui faut avoir un lieu précis où c'est la maison de Dieu. C'est le temple. Or, qui parle de temple? Nous sommes donc dans un endroit parce que c'est pour une rencontre spirituelle. Autrement dit, cet endroit est un sanctuaire. Ce n'est plus un endroit comme les autres. Eh bien, l'apôtre Paul accomplit cela. Parce que face à la division qu'il y avait dans l'église de Corinthe, où chacun tirait de son côté,
Mais il pose des questions, mais ce n'est pas possible. Je ne parle pas des hommes charnels, je veux parler des hommes spirituels. Nous ne sommes pas dans le charnel, dans l'église. On a affaire au spirituel, parce que nous avons une bataille contre les esprits qui rôdent, qui sont toujours en train de chercher à pénétrer. Autrement dit, le lieu sacré, la maison de Dieu, c'est un lieu sacré, un lieu de rencontre, un lieu de ralliement, un lieu d'unité, un lieu de fraternité. Je n'ai jamais, excusez-moi, je veux le dire, lorsque deux personnes, un homme et une femme qui se rencontrent et qui se déclarent une femme, lorsqu'ils s'en vont dans une maison, ce n'est pas pour faire la guerre. Non. Ce n'est pas pour faire la guerre. La rencontre de deux personnes qui se retirent, c'est pour être ensemble, pour partager vraiment ce qui est le plus beau. Et ceux qui vivent, quand ils se sont retirés, ce n'est pas quelque chose qui doit revenir à... Parce que c'est intime. C'est intime. C'est le secret. Bien-aimés dans le Seigneur, mais quand nous parlons ici du lieu, un lieu, personne n'a jamais pris la poubelle dehors pour amener dans sa maison. Je n'ai jamais vu. Jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller, que quand il finit de prendre ses ordures, il finit de nettoyer, il prend, il vient, il fait ce, là où il y a son lit. Non. Et puis le temple est un endroit où la souillure ne doit pas exister. Ce n'est pas un lieu où, parce que c'est un lieu saint, parce qu'il est sanctifié, ce n'est pas le lieu où l'on doit venir retrouver des saletés. Non. Mais les saletés qui sont constituées par quoi? Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes vous, que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. À partir du moment où on a bien dans le Seigneur, il faut faire attention. Nous partons donc de la situation où le temple qui est la maison, mais nous arrivons maintenant au temple qui est nous-mêmes, chacun d'entre nous. Parce qu'il faut bien comprendre, comme on va le voir tout à l'heure, que l'église n'est pas le temple. Attention, l'église n'est pas le temple. Le temple, c'est une maison. Et cette maison, là où le Seigneur va habiter, quand on chante souvent, on dit « Non qui qu'en chambre, c'est ta chambre intérieure. Là, ça ne veut pas dire que
Tu t'en vas, tu es dans la chambre physique, tu fermes. Et personne n'a. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de vie spirituelle seule. Et pourquoi? Le Seigneur dit ceci. Lui-même, nous sommes dans Matthieu 18, le verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, une chose quelconque, elle leur sera accordée par le Père qui est dans les cieux. Allez dire le passage. Parce que quand on lit la Bible et qu'on ne comprend pas ce qu'on lit, il ne faut pas faire des religions sur ce qu'on n'a pas compris. Deux. Eh bien, nous sommes ici, il y a dans les éléments qui nous sont posés dans ce texte. Après, il y a quelque chose. Il y a d'abord le verbe accorder. Le verbe que Dieu s'accorde, après, sera accordé. Ensuite, on parle d'une chose quelconque. Et puis, je veux retenir ici là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, tu seras au milieu. Eh bien, je vais vous tirer ici là trois éléments. Le premier élément ici là, c'est une chose quelconque. En grec, c'est le mot pragma, qui donne en français le mot pragmatisme, c'est-à-dire le réel. C'est-à-dire le mot pragmatisme, quand on parle de pragmatisme, qu'il faut être pragmatique, on dit ceci. Là où deux, quand deux s'accordent pour demander quelque chose de pragmatique, c'est-à-dire quelque chose de réel, de concevable, pas des idées, ou quand on s'assoit au Cameroun, on se relève, ou bien on se relève, et puis on dit on fait l'église dans le rêve. Non, il faut demander ce qui est faisable, ce qui est. Vous ne pouvez pas demander que, bon, demandons à Dieu qui nous donne l'avion. Tu vas mettre l'avion où? Tu vas atterrir où? Bien-aimé dans le Seigneur, le mot pragmatisme. Pourquoi? Parce que on n'a jamais vu une maison s'élever avec une seule personne. La pluralité a son sens. Cette pluralité voudrait que quand deux personnes se rencontrent, que ces deux personnes-là commencent d'abord par qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a ici là ce que toi, nous sommes dans le besoin. Toi, tu vois le besoin d'une manière, moi, je vois le besoin d'une autre manière, et il va falloir qu'on s'accorde. Mais le besoin, il faut qu'il soit réel. Il ne faut pas rêver. Le problème de notre église, c'est qu'il y a tout de rêve. Les besoins sont des besoins comme ça. On se lève le matin, on se dit, oh, faut qu'on fasse comme ça. Oh, on fait comme ça. Et ça fait, les gens souffrent, on tourne sur. Mais là où il faut aller encore plus loin, je vais prendre ici, là, je vais rapidement, le verbe s'accorder, le verbe accorder. En grec, il donne le texte, hein, parce que quand on lit en français, il faut d'abord chercher, c'est que la personne qui a écrit, c'était en grec. Si quelque chose, on a dit en boulou, que. Mon amour, on traduit l'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait mieux. Ne changez pas, il ne faut pas chercher à changer. Donc, il faut comprendre d'abord la langue dans laquelle la personne a parlé avant que toi tu te mettes à vomir tout ce que tu vomis. Ce que nous disons, c'est que le mot qui est utilisé pour accorder, c'est symphoneo. Symphoneo. En grec, qui donne quoi en français? Ça donne la symphonie. La symphonie. Oh, nous sommes ici dans l'univers de la musique. On voit ici les instruments, et quand on voit les instruments, on est dans les accords, on est dans les noms, on est dans le do, le fa, le mi, et ainsi de suite, parce qu'il faut s'accorder. Dans un groupe, dans l'église, les couples dans l'église, pasteurs, anciens, diacres, et puis les responsables et tout, il faut que les gens s'accordent. Pourquoi? Il est important, parce que nous allons chercher maintenant, on a eu un besoin, on peut demander quelque chose à Dieu, mais là il faut qu'on s'accorde, parce que si on ne s'accorde pas, ça ne marche pas. Comme à l'heure actuelle, boum, 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 partout à droite, à gauche. Les gens ne s'accordent pas. Ça ne va pas marcher. Alors, comment on s'accorde? On s'accorde de quelle manière? Parce que s'accorder veut dire que ton point de vue et mon point de vue sont valables. Ça valorise. C'est tellement valorisant de demander à l'autre, qu'est-ce que tu penses? Vous voyez? Il faut accepter, écouter la parole de l'autre. Non, bon, en fait, ce n'est pas grave. Puisqu'aujourd'hui, on voit très bien la dérive dans le monde, c'est que l'être humain, bon, comme il pense qu'il est un peu tout seul,
Parce que c'est ce que Paul dit. Bon, il est temple tout seul. Mais je n'ai jamais vu une maison se lever avec un seul poteau. Puisque pour que nous soyons église, il faut que le temple soit construit. Toi, tu es une colonne. Moi, je suis une colonne. Il en faut. Et puis nous formons ce qu'on appelle à la fin l'assemblée, la car là où deux voix sont réunis. Ils sont en assemblée. Ils sont en synagogue. En synagogue. Sous la synagogue. C'est ça l'église. La synagogue, synagogue. C'est ça, c'est ce que le texte dit. On ne va pas. On ne va pas chercher ailleurs. Assemblée, c'est la synagogue. La synagogue. On revient, bien aimé dans le Seigneur, toujours à cette vérité. Pourquoi? Pourquoi au fond? Pourquoi? Dieu aurait pu décider que je bois tout seul et c'est terminé dans mon coin. Non. Parce que les prières qu'on élève vers le Seigneur, il faut le retenir. Nous devons être ensemble. Parce que cette prière que tu vas élever tout seul ne parvient pas à Dieu. Parce que nous croyons toujours que le petit schéma de notre unique pensée est suffisant. Mais depuis les origines, depuis le départ, Dieu n'a pas voulu que l'homme soit seul. Il a voulu qu'il ait une aide qui lui soit semblable. Autrement dit, c'est de l'échange que jaillit la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, ne détruis pas le temple. Toi, ne détruis pas le temple. Si tu détruis le temple de Dieu, toi-même, tu seras détruit. Parce que du coup, tu n'es plus avec Dieu. Tu peux naviguer comme certaines personnes. On va dire que ah, celui-là, il fait le mal, il tue les gens, mais il est riche, il est salé, il a. Non. Vous savez, je vais vous révéler une petite chose. Quand vous prenez dans la parole de Dieu, il y a l'histoire de Lazare et du riche. Vous vous souvenez? Parce que Lazare, quand le riche mangeait, même les miettes qui tombaient par terre, quand Lazare le chien du riche vient claquer, mais quand Lazare est mort, il est allé, on l'a venu sur la poitrine d'Abraham. Ça veut dire qu'il est au ciel. Mais on dit seulement quand le riche est mort, on l'a appelé. Mais quand il était là-bas, il était où? Il était en enfer. Il est riche, mais il est en enfer. Et il dit que, pardon, dit à Lazare, il a été serviteur, c'est-à-dire que esclave, rien dans la vie. Même maintenant, on a la mort, il faut qu'il vienne toujours continuer à aller. Là maintenant, le fossé qu'il y a entre nous, c'est comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons attention. Si nous détruisons le temps, si nous détruisons nous-mêmes, notre propre cœur, le cœur, quand on le donne au Seigneur, il faut qu'il soit un cœur où le Seigneur peut entrer et s'installer. L'église, ce n'est pas le lieu de la guerre. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour partager. Si quelqu'un sait que je souffre, il peut m'aider. Si je sais que l'autre souffre, je peux l'aider. Mais nous ne sommes pas là pour faire la guerre. Ne détruisons pas le temple de Dieu, de peur de le être nous-mêmes détruits. Que le Seigneur lui-même bénisse en nous le partage de sa parole. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, il t'appuie pour que ce jour, nous écoutions un nouveau message du monde qui nous rassure sur notre sort tout en nous demandant des efforts pour atteindre la félicité que toi tu nous promets. Merci Éternel pour ce message que nous avons écouté. Fais en sorte que ce message ne reste pas simplement comme de l'eau plate dans nos cœurs, mais que ce message soit une source vivifiante qui jaillit et qui permet à d'autres de se réfugier, de se rafraîchir. Merci pour ce message éternel, mais surtout, celui qui nous l'a transmis ne l'oublie pas. Qu'il le garde aussi en lui et qu'il continue à le transmettre à d'autres. Éternel, en ce lieu où les gens sont rassemblés pour t'écouter, viens, assiste. Sois avec nous. Sois en nous. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.
nous allons chanter juste le premier couplet. Donc, Boulou 142, Bassa 263, Sur les ailes de la foi 615, ATG 399. Il ne parlait pas la de ton église, une église conviviale, une église fraternelle. Viens donc, Seigneur, rassure-nous sur notre chemin. La grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent avec chacun d'entre vous et nous tous ensemble, nous opposant à la destruction du temple de Dieu, maintenant et à jamais. Mais dis-moi ce qui est beau, n'y en fait pas un gros mot. Oh, dis-moi ce qui est beau, si mon père ne va pas, si tu veux laisser, pour qu'il y a un détail, de l'amour. Dimanche, s'il vous plaît, avec nous. Merci.